Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la forme. Je pense qu'on est tous très frustrés et puis très agacés de la prestation de nos joueurs. On va débriefer cette rencontre qui opposait Manchester United à Manchester City. C'était le choc de cette 10e journée de Premier League. Lourde défaite à Old Trafford, 3-0. Erling Haaland avait ouvert le score à la 26e minute de jeu sur penalty. À la 49e, l'attaquant norvégien inscrit un doublé. Et à la 80e, Phil Foden assure les 3 points pour les hommes de Pep Guardiola. Et avec ce résultat, les hommes d'Erik Ten Hag s'enfoncent un peu plus dans la crise. Hein. Même si ces dernières semaines, ça allait un petit peu mieux avec les victoires. Mais on est très vite retombé dans nos travers. Au classement, bah, comme d'habitude, hein, je te l'affiche juste ici, on est 8e avec 15 points au compteur. 5 victoires et 5 défaites. On compte 2 points de retard sur Brighton 7e et Newcastle 6e. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match face aux Citizens? Bah, globalement, on a été mauvais, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On a été mauvais de la première à la dernière minute. On n'a pas mis d'intensité, pas de rythme, pas de vitesse, pas de percussion sur les côtés, pas de pressing, pas d'agressivité, pas de caractère aussi. Manque cruellement de caractère de la part de certains joueurs. Et le premier responsable de cette défaite aussi, c'est Erik ten Hag. C'est le coach, tout simplement. C'est lui qui aligne les 11 bonhommes sur le terrain. C'est lui, hein, c'est pas la famille Glazer, c'est pas le président, c'est pas le directeur sportif, c'est le coach. C'est lui. C'est lui qui est responsable. Parce que il faudrait qu'il m'explique pourquoi, dans un derby, il joue en 4-2-3-1, ça ok, pas de problème, et il met Maguire aux côtés de Johnny Evans. Il met Lindelof arrière gauche à la place de Reguilón. Et en plus de ça, il met même pas Varane dans l'11 au départ. Hein. Il met pas ni Varane ni Reguilón. Il met McTominay en numéro 10. Et Bruno Fernandes ailier droit. Rien que ça, déjà, le 11 de départ, tu sais très bien qu'on allait perdre. Qu'on n'allait pas gagner. Qu'il n'y aurait pas de miracle durant cette rencontre. Il n'allait pas avoir de miracle. On savait très bien, dès le 11 de départ, tu allais perdre. Rien que ça. Je le sentais. Je le sentais gros comme une maison. C'était prévisible. C'était prévisible. Et là, il n'y a qu'une solution pour Ten Hag, c'est de redresser vite la barre. Parce que je pense que avant la fin de l'année 2022, 2023, je veux dire, il va prendre ses affaires et il va dégager. Hein. Je pense. Hein. Je dis pas que je veux qu'il dégage. Hein. Mais il a intérêt à vite redresser la barre. Parce que là, comme c'est parti, on est mal barré. Hein. On est mal barré, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Alors pour l'instant, t'es encore en lice dans toutes les compétitions. Mais il a intérêt à vite redresser la barre, Ten Hag, parce que là, on est mal barré. Hein. On est vraiment mal barré. Hein. Et pour reparler de ce match face aux Citizens, bah, comment dire, City, ils ont mis de l'intensité, du rythme. Ils ont tout mis. Ils ont tout mis sur le terrain. Ils ont montré à United ce qu'il fallait faire. Guardiola, il a donné une leçon tactique à Ten Hag. Dans la récupération, ils y étaient. Dans l'impact physique, dans l'agressivité. Devant le but, ils étaient adroits. Et heureusement qu'on avait un très bon André Onana, hein, de notre côté, hein, du côté de United. On avait un très bon André Onana. Parce que si tu n'avais pas Onana dans les cages, je pense que l'addition aurait pu être bien plus salée. Je pense que City aurait pu repartir de United avec un 5 ou 6-0. Tellement on a été mauvais, tellement on a été nul. La première période, bah, City a globalement maîtrisé sa première période. Hein. Ils avaient le ballon, ils ont fait tourner. Il y a ce fait de jeu à la 26e avec la faute de Højlund sur Rodri. Au début, l'arbitre n'avait pas fait attention. Parce que moi, je trouvais que pour moi, il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas faute. Je ne dis pas que ça siffle ou ça siffle pas, mais ce que je comprends pas, c'est que sur tous les matchs de Première Ligue, il y a ce type d'action sur coup de pied arrêté, il y a ce genre de choses, ça se passe dans tous les matchs. Hein. L'arbitre ne bronche jamais, et là, dans un derby, bizarrement, hein, bizarrement, dans un derby, le mec, il arrête le jeu, hop, bam, bam, la VAR, et hop, il va voir penalty. Là, il faudrait m'expliquer. Hein. Penalty, faute d'Højlund sur Rodri, le penalty qui a été transformé d'ailleurs par Erling Haaland. Hein. Ça fait un zéro, contre-pied parfait devant Onana, rien à dire, mais il faut m'expliquer cette décision. Franchement, elle est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi il a sifflé penalty.
Je comprends pas. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas pourquoi ils sifflent pénalty alors que tu as souvent ce genre de choses en première ligue tous les week-ends, quoi. Faut me l'expliquer. Après, donc City qui mène 1-0 à ce moment-là du match, il pousse pour mettre un deuxième but avec Haaland, avec Grealish, avec Foden. Heureusement pour nous, Onana était là pour limiter la casse. Après, de notre côté, sur les phases offensives, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. La seule grosse occasion qu'on a eue en première période, c'était la reprise de volée de McTominay qui est repoussée par Ederson avant la mi-temps. Ça, c'était la plus grosse occasion du côté de United. Donc à la mi-temps, 1-0 pour les Citizens. Donc là, tu te dis, Ten Hag, il va faire des changements. Tu vois bien qu'en première période, ça va pas. Il va faire rentrer Reguilón, Varane en défense. Il va faire des changements tactiques. Il s'est rendu compte de son erreur. Il va faire des changements. Non, non. Non, non, il est reparti avec les 11 mêmes. Et bah, ça n'a pas loupé. Hein. Ça a continué le massacre. Hein. Le carnage, il a continué. Hein. Le carnage, c'est poursuivi en deuxième période. Hein. 49e minute. Dès le retour des vestiaires, tu t'en manges un deuxième. Sur un débordement de Bernardo Silva qui rentre dans la surface trop facilement. Nous, on est tous en paquet. On est tous collés serrés dans la surface. Il n'y a pas un qui a l'intelligence d'aller au second poteau pour marquer Erling Haaland. Le Norvégien qui était tout seul au second poteau et puis ajuste parfaitement Onana d'une tête puissante. 2-0, le break est fait. Et après, bah, terminé. Hein, le match, il était plié. City a fermé le jeu. Alors, même si tu as eu une ou deux occasions avec Rashford qui loupe complètement son face-à-face avec Ederson, qui sa frappe est trop croisée. Pourtant, l'enchaînement de l'action, comment dire, l'enchaînement était bon. Hein. Bonne passe d'Eriksen, Rashford qui contrôle de la poitrine. Et derrière, il enchaîne avec une frappe qui est complètement loupée. Franchement, Rashford, il met pas un pied devant l'autre. Je comprends pas pourquoi Rashford il continue à être titulaire. Je comprends pas pourquoi Ten Hag continue d'aligner Rashford. Il est complètement à la ramasse. Autant l'année dernière, il marchait sous l'eau. Bah là, cette année, bah, il marche sous l'eau. Il a pas de paille pour respirer. C'est blablabla. Il marche sous l'eau. Il marche sous l'eau. Rashford, il est méconnaissable. Je le reconnais pas du tout. Et City qui continue tranquillement son jeu, sans pression. Et à 10 minutes de la fin du match, Foden qui marque le troisième, suite à une frappe de Rodri repoussée par Onana, Haaland qui prend le temps de contrôler, de centrer au point pénalty pour Foden qui n'avait plus qu'à marquer dans but vide. 3-0, match plié, et City mérite amplement sa victoire, rien à dire. Il n'y a rien à dire, même si ça me fait chier parce que c'est le rival, c'est normal. Quand t'es supporter, t'aimes pas voir ton rival gagner. Mais objectivement, City a marché sur United. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc, c'était son fameux 4-2-3-1 avec André Onana dans les buts. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Johnny Evans. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Victor Lindelof à gauche. Sofiane Amrabat et Christian Eriksen au milieu de terrain. Scott McTominay en numéro 10. Bruno Fernandes, milieu latéral droit avec le brassard capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur Batave. On a vu l'entrée en jeu de Serge Reguilón à la place de Victor Lindelof, au poste de latéral gauche. Mais ces changements, il les a fait à un quart d'heure de la fin, encore une fois. Changements, c'est trop tard. Hein. Les changements, ils sont trop tard. Il aurait dû faire à la mi-temps ces changements. Quand tu vois que ton équipe est menée 1-0 et qu'il n'y a pas la possession du ballon, il faut faire ces changements à la mi-temps. Et lui, il les fait à un quart d'heure de la fin. Incompréhensible. Reguilón, comme je disais, qui était entré en jeu à la place de Victor Lindelof. Mason Mount, qui est entré en jeu à la place de Sofiane Amrabat. Anthony, à la place de Christian Eriksen. Alejandro Garnacho, à la place de Rasmus Højlund. Et pour finir, l'entrée en jeu du français Anthony Martial, à la place de Marcus Rashford. La composition d'équipe, déjà, comme je disais, on savait très bien qu'on allait perdre. Hein. Une compo avec une charnière centrale, Johnny Evans, Harry Maguire. Tu sais très bien que les deux joueurs sont très très lents. Enfin, tu savais qu'en face, t'as Haaland, t'as Grealish, t'as Foden, Bernardo Silva. Tu sais très bien que ça va aller à 200 à l'heure. Pourquoi tu mets des joueurs qui sont lents? Mais Varane associé à Maguire, ou tu mets Johnny Evans avec Varane. Enfin, tu mets un joueur rapide à côté d'un joueur lent. Tu mets pas les deux joueurs lents ensemble. Tu mets pas deux joueurs qui sont lents ensemble. C'est une première erreur de la part de Ten Hag, et tu remets Victor Lindelof arrière gauche. Alors, même si ces dernières semaines ça marche plutôt bien, mais Reguilón, déjà le jeu serait beaucoup plus fluide, il y aurait un peu plus de percussion,
Il y aurait un peu plus de vitesse avec Reguilón. Bah, vu qu'il est rapide, il est technique, il apporte un peu plus de rythme sur le côté gauche, ça aurait été mieux. Mais non, il préfère mettre Victor Lindelof arrière gauche. Hein. C'est n'importe quoi. Et puis, bah, voilà, les changements, ça n'a absolument rien changé. Mount, Anthony, Garnacho, ça n'a absolument rien changé, malheureusement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 40% de possession de balle, 7 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 4 hors-jeu de signaler du côté de Manchester City, 60% de possession de balle. 12 corners, 16 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les chiffres, bah, c'est sans appel. Hein. City, quand on regarde les stats, hein, ils ont clairement dominé cette rencontre. Hein. La possession de balle, les corners, les tirs, hein, ils ont été ultra efficaces. J'ai rien d'autre à ajouter pour les stats, hein, ça représente ce qui s'est passé sur le match. Et puis les tops et les flops de cette rencontre, bah, le seul que je mettrais dans les tops, c'est André Onana. Malgré les 3 buts encaissés, c'est le seul qui a fait un très bon match, qui a permis à United d'éviter la catastrophe. Il a fait des arrêts décisifs devant Haaland, les relances, elles étaient propres. C'est le seul que. C'est ce joueur sur qui je ne taperai pas dans ce match. Même s'il s'est encaissé 3 buts, c'est le seul qui a vraiment fait son match. Voilà, donc le seul top que je mettrais dans cette rencontre, c'est gardien camerounais. Voilà, le reste, sinon, c'est des flops. Je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United, Manchester City. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Hein, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!